Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus à cette séance quotidienne dans laquelle nous parlerons du transport à cordes. Je suis content de vous retrouver ce soir et dans ce webinaire, nous parlerons du transport à cordes et de ses avantages. Nous verrons les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui mène à la destruction de l'environnement, les problèmes et les risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et les perspectives du transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Par après, je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et quels avantages et perspectives vous bénéficierez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous terminerons bien évidemment par une ou deux dernières nouvelles concernant le projet. Alors, je suis Donatien Gérard et j'ai décidé d'apporter ma contribution au développement de ce transport depuis 2018. Et aujourd'hui encore, je continue de le faire parce que je suis content de voir la progression, de voir mes actifs prendre potentiellement de la valeur grâce à l'évolution du projet. Nous sommes pratiquement vers la fin. OK, nous sommes déjà sur le dernier tournant pour l'achèvement du financement de ce transport à cordes. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Il permet d'éviter les embouteillages, pas de pollution, car il est alimenté à l'électricité et peut donc rouler sans polluer l'atmosphère. Pas de frontières, il peut être conçu sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Les solutions de transport actuelles sont basées sur quatre principes fondamentaux qui permettent de faire d'un transport un transport, d'une technologie de transport, une technologie concurrentielle sur le marché. Tout d'abord, la sécurité. Ici, le transport Yuskai est situé au-dessus du sol. Cela augmente la sécurité de près de 1000 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter tout facteur humain. Le deuxième élément, c'est l'écologie. Le transport Yuskai est alimenté par l'électricité. Voilà pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants dans l'atmosphère. Yuskai peut être conçu dans tous les reliefs avec toutes les conditions climatiques, en gardant néanmoins l'écosystème naturel. Le prochain élément, c'est l'écologie. Tant pour moi, l'écologie. Alors, les frais de construction, l'économie, les frais de construction des voies Yuskai sont jusqu'à 20 fois moins élevés que pour tout autre type de transport. Les frais de combustible sont de 6 fois moins élevés que pour les autres types de transport. La vitesse de déplacement. Ici, le système de transport Yuskai peut pousser sa vitesse jusqu'à 500 km par heure. Pour le transport à grande vitesse, c'est deux fois plus rapide que Sapsan, qui est le train le plus rapide de Russie. L'un des défis pressants du secteur du transport aujourd'hui est la croissance constante des populations dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave le problème de congestion, de trafic, d'accidents et de pollution. Ainsi, les énormes embouteillages à l'entrée de la ville ainsi qu'à la sortie sont devenues une image courante pour les citadins. Dans ces conditions, il n'est guère possible de
de parler d'un trafic interurbain efficace de passagers, la construction de nouvelles routes ne résout pas le problème. Mais tout ce qu'elle fait, c'est encourager seulement les gens à utiliser les transports privés. En conséquence, donc, l'expansion du réseau routier provoque des embouteillages encore plus graves, soit en 10 ans, dans de nombreuses villes, la densité de développement et le nombre de routes ont atteint une concentration qu'il est presque impossible de construire autre chose. Les artères de circulation congestionnées sont devenues un problème insoluble. Donc, les différents problèmes que ces systèmes de transport rencontrent peuvent être classés en 4 catégories fondamentales. La destruction de la nature, les embouteillages, le problème de pollution et le problème d'accident du transport. Les tentatives de solutions existantes aujourd'hui sont toujours avérées inefficaces. Voici donc ce que propose la technologie Sky. Voici ce que propose Unisky String Technologies. La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers, telles que l'Unibike, l'Uniwind, l'Unitruck, okay? L'Unicar, l'Uniflash, l'Unicont, l'Unitrans. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles de véhicules dans la technologie, près de 15 modèles pour les passagers et les marchandises. Voici quelques modèles sur ces images. Alors, l'Uniwind, c'est un véhicule électrique léger monorail de faible capacité, 2 places. Voici une autre image de l'Uniwind. Ici, nous avons affaire à un Unibike, qui est un véhicule de tourisme léger hors-bord monorail avec une capacité de 2 places. Sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo et même à la moto. Voici le premier modèle Unibike. Ici, nous avons un Unibus, qui est un véhicule électrique de tourisme également, destiné au transport urbain et interurbain. 14 places et une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure. Ici, c'est un autre modèle d'Unibus. Là, nous avons affaire à un Unicar, 3 fois 6 places, qui est un véhicule de croisière, okay? Qui peut aller jusqu'à 150 km par heure. Véhicule de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les villes, les rues de la ville des embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels massifs et coûteux. Une autre vue de l'Unicar. Et là, nous avons l'Unicar version tropicale. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. L'Unicar version tropicale. Et ici, nous avons des leaders d'Afrique qui sont fièrement dans cette Unicar. C'est quelque chose de magnifique. L'intérieur de cette Unicar est semblable à celui d'une première classe en avion. C'est magnifique. Alors, ici, nous avons l'Uniflash, qui est un véhicule de tourisme suspendu sur roues en acier. Alors, il est conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. La capacité, 6 places et une vitesse de déplacement qui peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. Uflash, pour un fonctionnement pendant 25 ans, permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Ainsi, 1000 Uflash avec l'aérodynamique unique des propriétaires peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. Ici, nous avons affaire au transport de marchandises. Le système de transport est conçu pour transporter les marchandises sur des distances de 500 km.
Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner toute l'année dans diverses conditions climatiques, dans des endroits éloignés et inaccessibles, dans des zones de haute altitude et des zones désertiques, dans la jungle et sur les plateaux marins. L'Unitruck, OK, que voici, est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac à une vitesse allant jusqu'à 150 km avec des chargements et déchargements automatiques. L'Unicont, utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 pieds à 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Leur chargement et déchargement est automatique. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par des systèmes de contrôle automatisés. L'Unitrans est une solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terminaux portuaires maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport des volumes importants de matériaux en vrac tels que le sable et les petits cailloux. Les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport maritime Muscaï dans le port maritime sont les suivants. La livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. Le deuxième élément, c'est l'amarrage des grands navires ne nécessite pas de création de murs de quai, de dragages ou de renforcement de terre. Il est possible de livrer des marchandises au port maritime situé sur une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portuaire et le système de transport jusqu'à y forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison des marchandises. Le transport implique la livraison de marchandises d'une entreprise minière à la cale d'un vraquier sans stockage intermédiaire. Les vies linéaires en union avec la nature. Les pistes Yuskay contribuent au développement de villes linéaires. Les villes linéaires Yuskay peuvent être construites dans les montagnes, dans les zones désertiques et inondées, y compris avec un terrain difficile, ainsi que sur le plateau marin. Lors de la construction de villes linéaires, il ne sera pas nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et les voies ferrées et de perturber autrement la biogéocénose dans la zone de développement. Les maquettes de villes linéaires. C'est une ville linéaire ici que vous pouvez voir sur cette maquette. Respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures jusqu'à intégrées, utilisant des technologies brevetées de rail à cordes et de viaducs Sky. U-House, qui est une maison verte, écologique et durable, la seule actuellement aux Émirats arabes unis construite en bois. Les maisons en bois sont une alternative écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité, incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiale. Imaginez-vous, comment donc cette technologie fonctionne? Le principe technologique, c'est le suivant. Il fonctionne sur des rails à cordes à haute résistance. La base de la technologie U-Sky, c'est un rail à cordes innovant. Comme vous pouvez le voir, voici comment est constitué le rail. On voit la tête du rail qui est en acier. On voit le corps du rail. OK. À l'intérieur du corps du rail, on peut voir un remplissage, un béton de remplissage qui est un béton flexible pour lequel le CEO a aussi reçu un brevet. Et aussi, nous avons les points blancs là qui sont des cordes qui représentent des fils d'acier qui représentent donc les cordes de la technologie à cordes. Voilà, cet ensemble forme donc le rail à cordes. Et ce rail à cordes est 5 fois plus lisse et 3 fois plus fort que les rails conventionnels. Les types de rails qui peuvent être construits avec cette technologie sont les suivants. Nous avons une structure de rail rigide, semi-rigide et flexible. La structure flexible peut supporter une charge standard jusqu'à 20 tonnes. Le mode à basse jusqu'à 150 km par heure et grande portée jusqu'à 2 km.
La structure des rails est rigide. C'est pour le transport des grands poids jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse. Et celui qui va se situer entre les villes ou la ville et l'aéroport, mot de grande vitesse jusqu'à 500 km par heure. Le mot, les structures semi-rigides, OK, peuvent prendre des charges utiles jusqu'à 30 tonnes. La vitesse peut aller jusqu'à 350 km par heure et pour les petites portées jusqu'à 50 mètres. Le moteur jusqu'à peut fonctionner au gaz naturel, au méthane, à l'hydrogène et autres gaz respectueux de l'environnement. L'auteur Anatoly Yunitsky a aussi obtenu un brevet pour ce moteur. La voiture roule et l'air peine à rouler normalement. Voilà pourquoi les voitures ont besoin de beaucoup d'essence pour pouvoir se déplacer. Les voitures de Formule 1 ont une aérodynamique de 0,2 et avec les engins U-Sky, l'air circule normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet d'aller plus vite. Son aérodynamisme est de 0,06. Si les véhicules U-Sky passent, vous n'allez même pas entendre les bruits ni la feuille de l'arbre bouger. Pour cette raison donc, pour les raisons d'aérodynamisme des véhicules tels que l'Uniflash, nous pouvons donc économiser grâce à ce véhicule jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Alors, U-Sky surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas. La maintenance, très basse aussi. La consommation énergétique est basse et la capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable. C'est également confirmé dans la conclusion de l'Académie des sciences de Russie, signée par le directeur de l'Institut des problèmes de transport. Ici, dans ce tableau, nous pouvons voir clairement que c'est une étude comparative du système de transport actuel, à la fois opérationnel et même projeté. Et dans ce tableau, on voit que U-Sky est 10 fois moins cher que les solutions de transport, même en perspective. Ce qui est totalement magnifique. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur à tout seigneur, tout honneur, Anatoly Eduardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur des technologies à cordes. Il est chef de deux projets de l'ONU en 1998 et 2002, membre de la Fédération de cosmonautique de l'URSS. Le premier complexe de rails à cordes de la première génération a été construit en 2001 dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. À cette époque, un camion ZIL 131 était juste utilisé comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé Capacité de civilisation de la maison spatiale appelée Planète Terre. Il a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète, ainsi que la survie et le développement progressif de toute l'humanité. Voici une vidéo de ce document qui a été remis au curateur régional du Cameroun par le CEO en lui-même. Quelques brevets et certifications obtenues dans la technologie. Il faut savoir que aujourd'hui, l'entreprise a un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de la qualité appliquée par la technologie Niskisting Technologies à la norme internationale ISO 9001-2015 et est inscrit au registre de l'agence de certification TÜV Thuringen. Voici donc ce certificat, OK, confirmant la conformité des systèmes de gestion
Initiating Technologies développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. L'activité d'UST Inc. est basée sur le principe des systèmes internationaux de gestion de la quantité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité du travail. La technologie USCAR a été certifiée aux Émirats arabes unis. Le transport à cordes aux Émirats arabes unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure du trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station intermédiaire des passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. de Sharjah. Voici donc ce certificat, tenait fièrement le CEO sur l'image précédente, certificat de conformité. Uniscristine Technologies est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Une autre confirmation de cela est son inscription dans le registre pertinent des entités commerciales par la Chambre de commerce et d'industrie de Biélorussie. Voici donc ce document d'inscription à la Chambre de commerce de Biélorussie. Il a aussi obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. La technologie aujourd'hui a plus de 130 brevets dans le monde, de la Chine à l'Australie. Et elle a déjà fait l'objet de participations à plusieurs grandes conférences, plusieurs grands salons d'exposition, jusqu'à 20 salons d'exposition ces dernières années, internationaux dans le domaine du transport en Russie, en Allemagne, InnoTrans 2018, en Australie, Rail Plus. OK, en Biélorussie, Energy Expo en 2017, aux Émirats Arabes Unis, Future City Show en 2018. Et aussi, en 2022, septembre, la délégation de l'autorisation des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon InnoTrans International à Berlin. Quelques productions et résultats donc. Aujourd'hui, UST Inc. a réussi l'audit annuel des états financiers indépendants, individuels. Finexpertise a bel audit, a effectué un audit conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie du 12 juin 2013. Cette entreprise toujours a atteint l'autofinancement et a passé un audit annuel au compte. Des comptes conformément aux exigences de la loi de Biélorussie sur les activités d'audit et les règles nationales d'audit, selon la conclusion de la SARL Finexpertisa Bel Audit. UST Inc. a atteint l'autofinancement et cela pour la première fois depuis sa fondation. En outre, la société a considérablement augmenté la taille de ses actifs en 2022. Selon l'audit, les états comptables reflètent fidèlement dans tous les aspects importants la situation financière de la société au 31 décembre 2022, les résultats financiers de ses activités et l'évolution de sa situation financière, y compris le flux de trésorerie pour l'année terminée à cette date, conformément à la législation biélorussienne. Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir? Donc, voici le bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Aussi, le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clés du transport à cordes
la fabrication des accessoires, appareils, composants, essais, ensembles mécaniques, appareils électroniques, tout, essais, production des prototypes et autres. Cette zone de production s'étend sur plus de 36, s'étend sur 10 000 mètres carrés, voilà, près de 10 000 mètres carrés. Et le centre test en Biélorussie aussi est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration de la technologie dans la version nord, qui est située à Marina Gorka et sur une superficie de plus de 36 hectares. Voici donc ce centre test, quelques images. Votre entreprise aujourd'hui combine en Biélorussie près de 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études techniques spécialisé dans la production pilote, 36 bâtiments et structures de plus de 3 000 unités de machines et d'équipements, et 36 hectares de centres de démonstration, de certification et de six complexes de transport terminaux. Et un deuxième centre test, Sky à Sharjah, c'est près de 28 hectares. Dans ce centre, quatre pistes sont construites depuis la construction était au printemps de 2019. Voici l'équipe qui travaille activement. OK? Et nous avons cette annonce du monsieur Hussein Al-Mahmoudi, qui est le CEO du Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, qui dit qu'une start-up biélorusse en partenariat avec la Sharjah Research Technology and Innovation Park a déjà construit des pistes d'essai suspendues et qui pourront transporter cargaison et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Sharjah, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont investisseurs. Ici, nous avons Madame Nadezhda Kozareva, qui est la directrice générale de Unisky String Technologies. L'équipe d'Unisky String est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans plus de dans des plus grandes entreprises du monde entier. Le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah, une superficie de près de 25 hectares, OK, à quatre pistes. Et comme je l'ai dit, les premiers essais ont commencé en automne 2019. Voici l'équipe qui travaille à Sharjah. Et sur cette unique compte, on peut voir écrit 1 dollar par 100 tonnes pour 100 tonnes par kilomètre, ce qui est un prix qui défie toute concurrence. Qui ne voudrait pas d'un transport pareil? Ici, nous avons les contacts, okay, des Émirats arabes unis. Si vous voulez faire un tour au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, vous pouvez contacter ces numéros et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous pour ce tour de visite. Et ici, ce sont les contacts pour la Biélorussie. Alors, Unisky Technologies poursuit les travaux sur de nouvelles pistes de l'Éco-Technoparc. L'Éco-Technoparc conçoit la sixième et la septième ligne du transport. Le transport est une infrastructure UST pour le matériel lourd roulant pesant jusqu'à 60 tonnes. Maintenant, des calculs statiques dynamiques sont en cours de processus de conception des principaux composants et des pièces des futurs complexes est en cours. La masse du matériel roulant est supérieure à 50 tonnes. Le passage supérieur rigide à cordes robustes représente un des derniers développements de la société. Aujourd'hui, vous pouvez faire un investissement à l'étape 15. Parce que nous sommes déjà à la dernière étape de développement de ce projet et nous sommes sur la dernière ligne droite. Tout le monde peut investir à partir de 50 dollars sur une durée de 5 mois. Nous avons plus de 600 000 personnes dans le projet aujourd'hui, dans plus de 200 pays à travers le monde. Et en participant donc à ce projet aujourd'hui, vous gagnerez d'abord des dividendes de la mise en œuvre réussie du projet. 20% des bénéfices seront répartis à tous les actionnaires, chacun en fonction du nombre d'actions qu'il détient. Alors,
le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer un rachat de parts et en 2018 et en 2020, elle a déjà fait. Les investisseurs ont eu la possibilité de revendre les actions à un montant allant à plusieurs fois le montant investi. Héritage. Les parts sont votre propriété. Vous pourrez les léguer ainsi à vos enfants et petits-enfants en héritage. L'entrée en bourse. La valeur actuelle des parts est bien inférieure à la valeur nominale qui est de 1 dollar. La société entrant donc en bourse pourrait avoir bénéficié de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché boursier. Donc, voici nos contacts sur les réseaux sociaux, Facebook, Vicontech et Instagram. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres nouvelles intéressantes sur le projet. Ciao.